Oh, salut tout le monde, c'est Dim Kawan et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur The Hunter Call of the White. Et cette fois-ci, je ne vais pas revenir bêtement. Donc, je suis sur PlayStation et je vais essayer d'obtenir le trophée platine qui s'intitule The Hunter, un ultra rare obtenu par 0,1% des joueurs. J'ai actuellement 50% des trophées, il me manque les 50 autres pourcents. Donc, pour ce faire, je reprends l'aventure, on va poursuivre toute l'histoire et essayer d'obtenir ce fameux trophée platine. Donc, si vous êtes intéressé pour suivre mon aventure, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, fini le bavardage, on passe à l'action. C'est parti. Nous allons donc reprendre à partir de cette mission qui s'intitule Jagger, sauver les Short Summers. Jerlyn Jagger. Connie vous présente le propriétaire des terres de Königsberg, Robert Sommers. Il aime avoir son mot à dire pour toutes les affaires concernant ses terres et d'Eden mange depuis peu le maïs cultivé par les fermiers de la région. Il a contacté Gerline à propos de ce problème, mais elle ne peut l'aider tant qu'elle travaille à l'écriture de son livre. Connie a donc pensé à vous. Donc, l'objectif de la mission sera tout simplement de prélever deux daims dans les champs de maïs. Allez, c'est parti, les amis. Bon, ayant pris l'habitude de jouer sur le principal concurrent de The Hunter Call of the Wilds, il va vraiment falloir que je me réhabitue, vous allez voir. Déjà avec le point zéro déjà. Mais bon, on a quand même réussi la mission, c'est le principal. Et au fur et à mesure de rejouer, je suppose que ça ira mieux, hein. Je valide le trophée et on peut voir que c'est un daim catégorie 4, sexe mâle, poids 73 kilos, type de fourrure chocolat. Ça, je suis déjà bien content. Et franchement, je trouve quand même qu'il est beau, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez. Laissez-moi un petit commentaire pour me le dire. Et voilà, on va directement passer au deuxième. On va pas chipoter, hein. Allez, hop. Voilà où je l'ai attrapé. Et on va directement aller attraper le deuxième. Hein. Donc le deuxième daim. Donc j'ai dû bouger un petit peu parce que il ne voulait pas réapparaître même après avoir dormi dans la tente. Et je l'ai trouvé là-bas. Voici le deuxième tir. Et vous allez constater que j'aurais franchement pu viser mieux, hein, parce que sa barre de vie ne descend vraiment pas. Et vous allez constater par la suite que le tir n'était pas exceptionnel, hein. Donc on peut voir que je ne touche même pas un organe vital, ce qui est bien dommage, hein. He's challenging you to hunt a red fox using a bow. I think it's some kind of rite of passage. C'est ici que se termine cette vidéo et pour la prochaine, on continuera avec la mission secondaire de Monsieur Sommers, car au tir à l'arc, il y a des trophées à prendre. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao les amis!